one for the firstborn. Of course you have. So did everyone. The truth is, we're all inside of him. The difference is you just don't know it yet. We're already lost. If you tell us where it is... You will not set me free. We've come to stop him. Now, brothers, unite our flesh to... Fire! He's loose! Sans combat, le monde comme nous le connaissons disparaît. Notre civilisation est constamment attaquée par des forces que l'on appelait autrefois les énergies de l'enfer. En réalité, ces forces sont bien plus anciennes que le christianisme, plus anciennes que n'importe quelle religion qui a marqué les esprits et les âmes de notre espèce. C'est le mal incarné, et il s'obstine à vouloir détruire nos plus grandes aspirations. Notre foi en l'amour et en l'espoir, depuis notre création. Nous n'osons même pas donner un nom à ce mal. Le nommer reviendrait à reconnaître sa présence dans notre monde, à accepter que ses serviteurs puissent vivre parmi nous, à admettre que ses seigneurs, dépravés, malhonnêtes et avides de sang et de destruction, se cachent dans les méandres de notre planète, en attendant la disparition de l'humanité. Seule une entité se dresse entre nous et la mort universelle. Des guerriers magiciens qui ont consacré leur vie à notre protection. La plupart d'entre nous ne connaîtra jamais leur nom, ni les batailles acharnées qu'ils ont menées en secret. Jamais leur mémoire ne sera honorée. Mais ils veillent toujours sur nous. Armés, vigilants et prêts à se sacrifier à tout moment. Jéricho. On les appelle Jéricho. Ils ne savent que trop bien de quoi leur ennemi est capable. Avant que notre espèce disparaisse, nous serons suppliciés et torturés à mort. Et ils feront tout leur possible pour nous protéger contre de telles atrocités. Si le monde existe encore demain, aujourd'hui vous découvrez pourquoi. Jéricho. Une ancienne cité a émergé des sables des temps. Elle porte en elle l'origine du mal absolu. Serge, Cole, vous surveillez l'entrée. Les autres avec moi. Encore le signal des Suisses venus en reconnaissance? Ouais, mais pas en continu. On s'approche, mais il y a plein d'interférences. Ça, c'est jamais bon signe. N'avancez pas. Oh, qu'est-ce que c'est que tout ça? Je dirais que c'est les Suisses. Tout ce qu'il en reste. Hé, hey, il y a quelque chose de riche. Putain de merde! Tu vas leur donner! Thank you.
sommes-nous ? Là où tout a commencé. Ce n'est pas réel. Aussi réel que votre âme. Aidez-moi. Il est 3 heures du matin. Tu l'as senti aussi ? Quelle heure ? Oh merde. Bon, on se voit à l'aérodrome. On nous appelle la section Jericho. Nous sommes une unité d'intervention top secrète de l'armée américaine. Aux yeux du gouvernement, nous n'existons pas. Chacun de nous est spécialisé dans un art arcanique. L'armée appelle ce que nous faisons une lutte secrète contre le culte. C'est juste un bel euphémisme pour dire des putains de monstres armés. À une époque, l'Église aurait brûlé les gens comme nous, en nous traitant d'hérétiques, d'aberrations. Mais aujourd'hui, nous sommes sombres armés. C'est une drôle de vue, hein ? Mais quelque part en bas se trouve la cause de 4 millénaires de conflits entre les humains. N'importe quel conquérant, que ce soit Hippoléon ou Kublai Khan, ils ont tous combattu pour Al-Khali. C'est peut-être la plus ancienne cité de l'histoire. Et c'est aussi là où l'opération Vigile a commencé. Le reste n'est pas très important. Du moins, pour le moment. Vigile a été ma première mission pour le département. Est-ce que tu reconnais celui qui est à côté de moi ? Arnold Leach. Notre vieil ami. Cette photo a été prise en 62 avant qu'on ne sache de quoi il était capable. Meurtre rituel à Baltimore, attaque au gaz à Sydney. Et ces pauvres gamins à Londres. Exactement. Quoi qu'il en soit, Leach et sa soi-disant confrérie noire tentent de mettre la main sur Al-Khali depuis près de 20 ans. Et apparemment, ils ont trouvé ce qu'ils cherchaient il y a 2 jours. Comment tu sais ça ? Des observateurs de l'anglais ont récupéré des images psychographiques avant que Leach n'isole les lieux. Ok. On va opérer comme à la brèche de Glamis il y a quelques années. Cole recherche des anomalies temporelles. Non ! Non ! C'est complètement différent cette fois ! Crois-moi quand je te dis que la section n'a jamais eu affaire à quelque chose de genre. Qu'est-ce qu'on fait alors ? On va infiltrer le site de fouille et neutraliser Leach et ses hommes avant qu'ils n'ouvrent la brèche. Un certain colonel Atlin de la garde suisse sécurise le périmètre. Il va nous donner plus d'infos quand on y sera. Debout, Franck. On est arrivé ? Je déteste ce putain de désert. Imagine que t'es à la plage. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Ça recommence. Là où tout a commencé. Aidez-moi. Attention, ça risque de chauffer ! Capitaine, il n'y a aucune trace d'activité de la tempête dans cette zone. Ce n'est pas un phénomène naturel, chef. On ne peut pas aller plus loin ! Le vent nous en empêche ! On y va, alors ! Rentrez bien ! Rendez-vous à la zone d'atterrissage ! Vous attendez une invitation, Jericho ! Go ! Go ! Go ! Oh non, t'es pas sérieux ! Tu ne veux quand même pas nous faire passer par là ? Je crois que je vais en avoir pour des mois à me débarrasser complètement de tout ce sable. Je parie qu'Abby sera ravi de t'aider. Alpha Omega, formez 2 escouades et suivez-moi. Cole, indique-moi un point de passage à 100 mètres des abords de la tempête et cherche tous les points d'entrée. Les autres, vous ne bougez pas. Je reçois une transmission codée, chef. Passe-la moi. Capitaine Ross, vous me recevez ? Ici Ross, Jericho est sur place. Ici le lieutenant-colonel Aklin de la garde suisse. Bienvenue à Al-Khali. Quel est le topo, colonel ? Voilà ce qu'on sait, capitaine. Le complexe de recherche du secteur a été attaqué il y a 2 jours par une force de taille inconnue qui a des liens avec une secte religieuse appelée la Confrérie Noire. Les défenseurs n'ont rien pu faire, mais ils ont réussi à envoyer une dernière transmission. Le complexe d'Al-Khali est attaqué ! Envoyez des renforts le plus vite possible ! Vite, par pitié ! On va pas tenir bien longtemps ! Peu après avoir reçu ce message, la tempête de sable a englouti le complexe et coupé toutes les communications. Nous pensons qu'il est impossible de s'engouffrer dans cette tempête. Ah, super. Je vous recontacte dès qu'on est à l'intérieur. Jericho terminé. C'est l'heure des festivités ? Négatif.
Je relève quelque chose, capitaine. Il y a un tunnel quelque part par ici. Et autre chose, Chief. Vérifiez vos armes, les gars. Fascinant. Les peintures murales sont en sumérien, mais l'écriture est en araméen. Les premiers taggers? Ou des critiques d'art. Qu'est-ce que ça dit? Cherche serveuse. La porte du paradis sera débloquée par les âmes des innocents et par le sang des dieux. Et nous, on est qui là-dedans? Pas des dieux, c'est sûr. Eh, hey, dis donc, on parle pour toi! Merde! C'était une blague! Tu survivras. Oh putain. Charmant. Où est passée cette tempête? On s'en fout de la tempête. Où est passée la lumière du jour? Vous voici, mesdames, messieurs, dans la cité perdue d'Alcali. Tu sens quelque chose, Jones? Non, pas vraiment. C'est comme si tout était... vide. J'allais dire mort. Cole, essaie de voir si on peut communiquer avec le commandement. Je veux des infos et savoir ce qui se passe. Jericho, à couvert! On ne bouge plus! Ici l'armée des États-Unis! Tout doux, c'est peut-être des alliés. Ils s'arrêtent pas! Rose, tu ferais bien de regarder ça. Regardez quoi? Je ne crois pas que ce soit des humains. Permission de tirer? Refusé! Mais merde, regardez-les! Il a dit refusé! Un an de plus! Oh mon dieu! Ah, oh, putain! Cole, ça en est où cette communication? Nulle part, chef. J'ai tout essayé. À part nos radios, aucun signal ne passe. On devrait se tirer. C'est juste une distorsion temporelle, on a déjà vu ça. On continue comme prévu. Jones, prends Alpha et partez en reconnaissance. N'attaquez pas sans renfort. Rendez-vous ici dans une heure. Omega, on y va. Comment ça, comme prévu? On trouve le centre de commandement et on récupère les données de surveillance au moment de l'attaque. Je ne sais pas ce que Leech a fait ici, mais c'est pas de la rigolade. S'ils ouvrent la brèche, je ne sais même pas ce qu'ils risquent d'en sortir. L'agent Green nous briefera quand on l'aura retrouvé. C'est la responsable du complexe. C'était quand la dernière fois que t'es venu ici? Capitaine Ross. Qui est-ce? Ross. Chut. Écoutez. Nous vous attendions. Là, regardez. On ne bouge plus. Je crois qu'il veut qu'on le suive. Que personne ne s'éloigne. Des cristaux de glace, le sol est gelé. Un seau de sang? C'est vraiment pas de la rigolade. Moi, ça me paraît logique. S'ils savaient qu'ils étaient attaqués, ils ont probablement procédé à des rites et des incantations pour sceller le complexe. Tu peux le défaire? Sans problème. C'est l'un des nôtres. Vous devriez reculer un peu. Être en plein milieu à ce moment-là, ok? Rawlings, avec moi. Abby, Billy, restez derrière. Si cette porte ne s'ouvre pas de l'intérieur, il faudra que vous nous fassiez sortir. Ok, chef. Bien joué. Qu'est-ce qu'on cherche? Tout un équipement de détection et de surveillance paranormale monitore en permanence Alcali pour voir si l'état de la brèche dimensionnelle évolue. On doit récupérer les données pour savoir ce qu'a fait Leech et, si possible, y remédier.
Muriel! Lâche ton arme! Ne bougez pas! Muriel, c'est moi, Paul! T'es l'un des leurs! Je le sais! Je t'ai dit de lâcher ton arme, maintenant! Muriel, c'est moi, Paul Rawlings! On s'est rencontrés en 96. J'étais avec toi en Tchétchénie et au Soudan. Mais qu'avons-nous fait à Prague? Prague. 1999. Nouvel an à l'hôtel Bohemia. On a dansé sur des chansons de Cole Porter, chantées en tchèque. Et on s'est saoulé à l'absinthe. Mais malheureusement, j'ai oublié ce qui s'est passé ensuite. Tu es blessé? Il est arrivé quelque chose. Ils ont réussi à ouvrir la brèche et il est sorti. Qu'est-ce qui est sorti? De quoi elle parle? L'opération Saut de Dieu. C'est bien pour ça que vous êtes là. Paul, tu dois l'arrêter. Il faut que tu le fasses, sinon nous perdrons tout. Le monde entier sera détruit. As-tu pu enregistrer ce qui s'est passé? Si on localise la source de la distorsion temporelle, on pourra trouver la brèche. Ross, tu me reçois? 5 sur 5. On est dans la merde, Alpha a besoin de renfort. Où est-ce que vous êtes? Au nord-ouest du site de fouille. Il y a plusieurs ennemis. On leur tire dessus, mais il en arrive de partout. Tenez bon, on arrive. On doit aider Alpha. On ne peut pas la laisser ici. C'est un ordre. Abby, Billy, on y va. Je pensais que t'étais prêtre. Je suis prêtre. Et Prague, alors? Je suis aussi humain. Je n'arrive pas à contacter Muriel par radio. Cole, il faut que tu récupères des données de façon extrême. Tu es prête? Ça dépend du niveau de distorsion temporelle du site, lié à l'horizon des événements de la brèche elle-même. Si le vortex est assez puissant pour générer un feedback, alors en théorie, si les données existent, elles ont toujours existé, chef. Je n'ai absolument rien compris. Je crois que je peux récupérer les données. Parfait. Ce sang n'est pas humain, chef. Enfin, pas tout. Ils m'ont trouvé! Ils sont entrés dans le bunker! Oh mon Dieu! Paul, vite! Muriel! On se dépêche, les gars! Ne les laissez pas m'emmener! Je vous en supplie! Rawlings. Je l'ai envoyé ici. On avait besoin de prendre nos distances. J'avais peur que quelqu'un me découvre. Cela risque de causer de graves déplacements dimensionnels, chef. Je crois que vous devriez sortir. Ross, we got company! Come on, motherfucker! You want some too? I'm right here! Feeding time! Ça donne quoi? Alcali se trouve au carrefour de cet alignement temporel. Leech l'a trouvé et a fait une énorme offrande de sang pour ouvrir la brèche dimensionnelle. Oui, mais pour ouvrir un portail de cette taille, il faudrait qu'il tue des milliers de gens. La confrérie n'en a eu que quelques centaines à tout casser. On s'en fout. Leech est un tantriste. Les invocateurs dans son genre sont puissants. Une karma bombe. C'est ça. Tout ce que ces bâtards de la confrérie noire ont fait jusqu'ici, tuer des nouveau-nés et faire sauter des écoles. Ils ont engrangé tout ce mauvais karma pour maintenant. Comment est-ce qu'on a pu laisser passer ça? T'as presque l'air impressionné. Bah ouais. Il faut être visionnaire pour ce genre de truc. T'es malade. Chef, j'ai trouvé l'emplacement exact de la brèche. Mais j'ai aussi détecté quelque chose qui passait à travers elle. Connaissez le topo, les gars. En formation, c'est parti! Ah.
vous voilà. Leech. Comment ça va, Devon? Tu arrives à dormir? Je vais te faire ta fête, enfoiré. On va fermer la brèche, Arnold. Soit tu te pousses, soit t'es un homme mort. Moi, ça m'est égal. La procédure standard? Oui, comme à Glamis. Billy et Rawlings vont purifier la zone. Ça ne suffira pas. Je t'ai dit que cette fois, c'était différent. À partir de maintenant, on passe à l'opération Saut de Dieu. Tu n'en as pas assez, Devon. À chaque fois que nous rencontrons quelque chose de plus grand que nous, tes maîtres t'envoient le détruire. Ne t'es-tu donc jamais demandé pourquoi? Mais quel genre de magicien es-tu? Cole! Bon sang, il est en train de nous espionner! Empêche-le! Chef! Il est en train d'essayer de gagner du temps! Mon père, vous feriez bien de vous expliquer! L'opération Saut de Dieu est la raison pour laquelle Jericho existe. Un ancien texte gnostique parle d'un être qui aurait été créé avant l'homme. Je connais cette histoire. Dieu n'a pas réussi à détruire sa première création et il l'a donc banni de la Terre pour pouvoir tout recommencer du début. Ensuite, il a créé l'homme et lui a donné des imperfections pour garder un bon équilibre. Mais le premier-né était jaloux. Et sa rage n'a pu être contenue. Il attend et engrange de la puissance. Quoi? Vous croyez à ces conneries d'apocalypse? Peu importe que tu y crois ou pas, beaucoup de gens au cours de l'histoire y ont cru. Ce qui est derrière cette brèche a fait appel à Leech et à d'autres de son espèce, dans l'espoir d'être libéré un jour. C'est toujours pareil. À chaque fois qu'on découvre une force ancienne, il y a un enfoiré à l'anglais qui veut qu'on lui mette une laisse et qu'on le dresse. Non, on essayait de le contenir. Non mais qu'est-ce que c'est que ça? J'ai besoin de vous. Ross, n'y va pas. La seule issue possible est de me libérer. Tu sers le mauvais maître. Tu ne comprends donc pas? Mais je ne t'en veux pas. Ils m'ont amadoué moi aussi. Tant de promesses de pouvoir, de connaissances obscures, et peut-être même les réponses à des questions les plus troublantes, pas vrai? Vous êtes tous des sorcières, des hérétiques. Vous n'êtes pas différents de nous, et vous savez ce qu'on fait aux sorcières, pas vrai? Que vous avez bâti une fois qu'il n'y aura plus de sorcières à brûler? Désolé, Devon, mais c'est toi qui le veux. Ross! Oh merde! Rawlings! Viens par ici! Tiens bon, Ross! Putain, Ross! Faut que tu tiennes! Allez, merde! Allez! Ils se rapprochent! Faites quelque chose! On le perd! Laisse-le! Ils arrivent de partout! Frank, aide-moi! Billy! Attention! Non, je suis là. Quoi? Il y a quelqu'un avec lui. Je peux le sentir. Delgado, tu m'entends? Rawlings, c'est moi, Ross. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je crois que je suis en lui. Lâche ça, merde. C'est moi. Prouve-le! Mais merde, Paul. Tu veux que je te parle de Prague ou tu préfères me croire? Oh mon Dieu. Où est Frank? Qu'est-ce que tu lui as fait? Il est toujours là. Il se repose, c'est tout. Il se repose mon cul, ouais. Sors de ma tête! Mais on t'a vu mourir. Leech t'a tué. Pas complètement. Fascinant. J'aimerais que tu essaies de prendre possession d'Ali. Tu peux faire ça pour moi? Voyons voir. Enfoiré. Abby, tu m'entends? Ross, je déteste ça. Dehors, tu m'étouffes! Calme-toi, Abby. Hé, Abby, j'ai une blague pour toi. Combien faut de snipers télépathes pour dégager une route?
c'est que d'avoir un homme à l'intérieur de toi. Va te faire foutre. Je compte sur toi pour me sortir de ce merdier. C'est encore moi, Billy. Tu veux parler à Frank ? Je sais que c'est toi. Écoute, si vous n'aviez pas été là, Rawlings et toi, je serais toujours à l'asile. Ne me remercie pas. Je ne te remercie pas. C'était l'enfer, cet endroit. Mais comparé à ça, au moins là-bas, j'aurais pu en finir quand je voulais. Écoute, c'est toi qui m'as entraîné là-dedans, et je compte sur toi pour m'en sortir. C'est clair ? Pas de problème. Si tu as besoin de ma magie du sang, prends possession de moi. Mais si jamais tu merdes, c'est à Frank que tu auras affaire. Est-ce que quelqu'un sait où on est ? Dis plutôt, est-ce que quelqu'un sait quand on est ? Ross, si tu as besoin de prendre possession de moi, fais-le. Tu es sûr de ça, Cole ? C'est un peu agressif. Vous n'êtes qu'un réseau de plus, chef. Sentier des arbres. Vous allez pouvoir maintenant apporter votre contribution. Volonté faible et votre magie inférieure. Acceptez-moi comme maîtresse ou vos âmes seront dévorées par ma glorieuse armée. Le premier-né ? Je ne crois pas. Comment ils peuvent être encore en vie ? C'était quand ? Il y a au moins 70 ans. 65. Et la section d'avant, alors ? Comment ils ont fermé la brèche ? On ne sait pas. Ils ne sont jamais revenus. Eh ben putain, c'est vraiment la merde ! Ils auraient quand même pu nous laisser un petit mot. Delgado, range ton arme. Frank, c'est quoi ton problème ? J'ai pas signé pour une putain de mission suicide. Si tu pointes cette arme sur moi, tu ferais mieux de t'en servir. Qu'est-ce que tu as fait ? Oh merde ! Frank, c'est quoi arrête ton problème, mec ? Paul ! Delgado, ça suffit ! Abby, ligote-le. Chef, vous pouvez le ressusciter ? On va le savoir. Reculez, tout le monde ! J'ai été dans les vapes combien de temps ? Jones, je veux que tu arrêtes cet homme. Ne fais pas ça, Jones. Il ment. Qu'est-ce qu'il nous cache encore ? Delgado, tu as accidentellement vidé ton chargeur. C'était pas un accident. Compris, Delgado ? Ok. Un accident. On n'en a pas fini. Vous auriez bien mieux fait de les laisser s'entretuer. Ça m'aurait évité de le faire moi-même. Là-haut ! Vous n'êtes pas à la hauteur. Donnez-moi vos âmes, ou vous serez torturés pour l'éternité. Je crois qu'elle veut qu'on se rende. Au moins, elle a gardé son sens de l'humour. Lichthammer, je suis le père Paul Rawlings de l'armée des États-Unis. La guerre est finie. La mère patrie est tombée. Laissez-nous passer, et nous vous libérerons, vous et vos hommes, de ce purgatoire. Espèce d'arrogant ! Tu oses t'adresser à moi ? Je vais t'arracher ta virilité et la donner à mes sorcières en chaleur ! Lichthammer était une puissante sorcière de son vivant. Inutile de dire de quoi elle est capable maintenant qu'elle a été assimilée au premier-né. C'est quoi ça ?
Je ne sais pas qui sont ces types, mais je les remercie. Ross, si tu dois prendre possession de moi, fais-le. I'm getting very strange readings, sir. I've got something for you. Is anyone hurt? Look who's back. I think it wants us to follow again. Je veux le voyant. Son nom est Jones. Hey Ross, tu m'entends? Si tu as besoin de ma projection astrale, tu peux me posséder un moment. Mais je veux que tu me rendes mon corps dans l'état où tu l'as trouvé. Alors allons-y, mais surtout ouvrons l'œil. Qui êtes-vous? Identifiez-vous! Je crois qu'ils sont ok, Nigel. T'es sûr? Le grand là-bas mettait le feu à n'importe quoi! Me touche! Surtout pas! Compris? Tiens, tiens. On a fait un pacte avec les démons du feu. C'est pas joli, joli tout ça. Tu es aussi fou que moi. Laisse-les partir, Nigel, je crois qu'ils sont avec nous. Ne m'en voulez pas, ok? Je suis le Major Patrick Buckland de Blackwatch, du Bureau des Services Stratégiques. Et voici mon caporal, Nigel Barndon. Désolé pour cet accueil. Mais ça fait un bail qu'on n'a pas vu de nouvelles têtes par ici. Pas de Buckland? Le Pat Buckland qui a servi aux côtés d'Alasdair Crowley sur l'OSS? Vous connaissiez mon père, Gideon Rawlings. Nous sommes avec Jericho, comme vous. Merde! La brèche est ouverte à nouveau? Ça fait 65 ans. C'est tout? Heureusement qu'on n'a pas attendu autant que les autres avant nous, hein. Les autres? Moi, à votre place, je m'assiérai. Rien n'a beaucoup de sens ici, dans le Pyxis. Aucune des règles normales ne s'applique, ni la mort, ni la faim, ni le jour, ni la nuit. Si vous mourrez, les vers vous bouffent, mais quand vous revenez, vous aurez l'air humain, mais vous appartiendrez au premier-né. Vous connaissez l'histoire du premier-né, pas vrai? Dieu a créé cette chose et s'est rendu compte qu'il était trop puissant. Il a donc décidé de le faire disparaître de la surface de la Terre. Mais il ne pouvait pas le tuer. Alors il a créé le Pyxis. Cette boîte, si vous voulez. C'est comme si un tronçon de réalité avait été façonné en boîte à jouets, et nous sommes les jouets. Mais... il n'a pas disparu. Il attendait tout simplement qu'un fou allié se décide à le libérer. À chaque fois, il a gagné en puissance. Et lorsque l'humanité a réussi à l'enfermer de nouveau, il a emporté un peu de ce monde dans sa prison. Et bien sûr, il attend et devient de plus en plus fort pour que la prochaine fois qu'il sortira... il prenne encore plus de notre monde avec lui. À chaque fois, sept pauvres bougres ont été envoyés dans la brèche pour le frapper au cœur et le renvoyer d'où il vient. Jusqu'à la prochaine fois, bien sûr. Qu'est-ce que c'était? Des indésirables. Je continuerai mon histoire plus tard. Vous devez aller à la brèche et passer les défenses des boches. Putain, merde! Allez les gars, vous éloignez pas et suivez-moi.
Ils ont construit le portail qui mène au prochain niveau du Pixis, juste au-dessus des ruines du temple. Vous devez vous en approcher le plus possible. Ces imbéciles de Bosch pensent nous avoir devancés. Mais ils ne savent pas que le soldat Tuck a posé des explosifs partout et qu'il fera sauter cet endroit si ça tourne mal. Prêt pour le feu d'artifice, Tuck ? Vous savez ce que je crois ? Je crois qu'on est en enfer. Là ! Regardez ! Bon sang, ils ont eu Tuck ! Merde ! Il faut actionner ce détonateur ! Chirico, tire de suppression. Abby, tu crois que tu peux t'occuper du détonateur ? Et pour moi ! Ah ! C'était trop facile ! Chef, je détecte une autre intersection d'alignement à proximité. Vous avez raison. Il comptait la faire passer à travers ces portes, sur le sentier des armes. Et ensuite ? Régner sur le monde. Le Bosch a construit cette porte juste au-dessus de la brèche qui mène droit au Pixis. Ce qui veut dire qu'il faut qu'on vous fasse passer en un seul morceau. Il va falloir que vous mettiez la main sur l'Ichtammer si vous voulez sortir d'ici. Je ne vous envie pas. On va m'enfler ! Vite ! Arrête-la ! On a chaud aux fesses ! Je te dois être pris à changer. Ça fait combien ? Les Yankees ne sont pas très subtils, hein ? Maintenant, tous les Bosch des alentours vont se ruer ici ! Je crois qu'il faut changer d'approche. On envoie une escouade après l'Ichtammer, et le reste fera diversion. On neutralisera peut-être quelques défenseurs. Ok, Church, Rawlings et Cole, vous partez à la recherche de Fräulein Ichtammer. Les autres, vous allez rester ici pour faire diversion. Jamais la bonne chair, surtout quand c'est la chair d'un prêtre. Alors, mon père, toujours la foi. Je viens vous parler, Han. Mais pour cela, il va falloir te mettre à genoux. Ce n'est pas une requête. Maître vous a bien dressé. Quelle obéissance! Où as-tu bien pu les trouver, Rawlings? Ignorez-la. Je fais ça depuis 40 ans et ils ne trouvent jamais rien d'original à dire. D'original? Et ça, c'est original! La sorcière de sang veut que tu la baisses comme son propre père l'a fait. Ce n'est pas vrai! Je vais m'en occuper. Éloignez-vous d'elle. Innominé Patrice. Crois-tu que les paroles divines aient une quelconque signification ici ? Et Spiritus Sancti ! Violeur d'enfants ! Amen. Je vais te dévorer ! Je... Ça explique pourquoi elle ne voulait pas coopérer. La porte qui mène au prochain niveau du Pixis, elle l'a absorbée. Et est devenue la clé qui ouvre la brèche. Elle est en elle. Billy, rejoins les autres et aide-les à faire diversion. Moi, on va emmener notre ami au portail. Hold on, Rob! Help's coming! Everything! Diego, you
on the other side of the wall. Billy, on a besoin de toi. Retrouve-nous au-dessus du portail, vite. On a besoin de toi, Billy. T'es la seule personne à t'y connaître en sang dimensi. Qu'est-ce que je dois faire? Verse son sang et ouvre le portail, vite! On ne va pas pouvoir la retenir plus longtemps! Il vous a tous trompés! Si tu me tues, tu ne retourneras jamais dans ton monde! Mais fais-le! Vite! Pitié! S'il te plaît! Aide-moi, Wilhelmina! Il n'y a que mon père qui m'appelait Wilhelmina. Je m'appelle Billy! On dirait que c'est pour vous! Vous ne venez pas! Ce serait dangereux pour vous, malheureusement! Le premier-né a eu tout le temps d'apprendre à nous connaître. Il peut sentir à des siècles de lui. Nous ne vous serions pas d'une grande aide. Et nous devons aussi prendre des précautions. Au cas où, vous comprenez? Au cas où quoi? Au cas où vous échoueriez. Si vous ne pouvez pas fermer la brèche... Il faut que quelqu'un reste ici pour que les suivants puissent passer! Malheureusement, c'est le destin de Jericho. La grande récompense de la vie. La brèche s'enferme, chef. Il faut y aller. Oh, et capitaine, une fois que vous serez de l'autre côté, allez dans la forteresse aussi vite que possible. Les Templiers vous diront quoi faire. Il a dit, les Templiers? Cole, est-ce que tu peux lui donner la date? De combien est-on remonté dans le temps? Ouais, bah c'est pas en restant ici qu'on va le savoir. D'après l'alignement des planètes, nous sommes en 1213, chef. Par où on va? Jones, est-ce que tu sais par où aller? Le lit de la rivière a l'air ok. Cette forteresse date des croisades du 13e siècle, peut-être même avant. En tout cas, elle est bien conservée. Target's incoming, sir. Vois ce que tu peux faire avec cet éboulement. Vas-y, vas-y, t'arrêtes pas! Ah.
journée de boulot normal. Voilà l'enfant. Essaie de me rapprocher, Jones. Il y a un levier. Je crois que la télékinésie devrait marcher. Je t'en prie. T'as peur du vide, mauviette? Non. Juste de tomber dedans. Section Oméga, feu à volonté. Section Alpha, traversez le pont, maintenant. Non. Vous ne pouvez pas les aider. Ils appartiennent désormais à l'enfant. Les damnés peuvent sentir vos âmes. Elles les attirent comme la charogne attire le chacal. Nous devons aller à l'intérieur. Par ici, restez près de moi, mes frères. Et nos hommes, alors? On ne va pas partir sans eux. Vous ne pouvez pas les aider. Venez par ici. Bientôt, vous allez tout savoir. C'est un piège! Vos amis sont le cadet de vos soucis. J'ai suivi vos ordres et vous ai livré le païen à votre grâce. Ton dévouement et ton sacrifice pour notre Seigneur te seront récompensés. Tes hommes et toi-même avez gagné votre place dans le royaume des cieux. Espèce d'imbécile! Il ment! Tout ce qu'il veut, c'est libérer le premier-né. Silence, sorcière! Comment oses-tu t'adresser à l'ange Gabriel? Va, mon fils. Il reste encore beaucoup de choses à accomplir pour notre Seigneur. Bien sûr, votre grâce. C'est un véritable honneur. Quel sort doit-on réserver à ces hérétiques? Leech, je te promets que quand je serai sorti d'ici, je dévorerai ton âme! Laisse les enfants s'amuser avec eux. Il doit y avoir un autre moyen de sortir. Putain, c'est vraiment de pire en pire, cette histoire! Billy, on a besoin de quelqu'un de discret pour ouvrir la voie. Laisse-moi passer en éclaireur. Ils n'y verront que du feu. Merde! Il y a quelque chose qui coince de l'autre côté. Frappe les poutres, ami. La gravité fera le reste. Vous entendez? On dirait des sanglots. Reculez! Abby, ligote-le! Vous étiez un chevalier de l'ordre des Templiers? Il n'y a plus de chevaliers ici. Juste. Des fous aveugles et des hérétiques. Allez, on perd du temps! Il faut qu'on trouve une sortie! Il n'y a pas de sortie. Nous sommes enfermés dans une prison. Elle-même dans une prison. Elle-même dans une prison. Et depuis le début. En 1213, un jeune évêque, Malthéus Sinclair, a convaincu le pape Innocent III qu'il avait découvert le site des Jardins d'Éden et qu'il était entre les mains des infidèles.
Il s'est porté volontaire pour mener une croisade et le reprendre. Et vos hommes ont été envoyés pour l'aider à s'emparer d'Alcali? Au contraire, on nous a envoyés pour l'en empêcher. Lorsque l'ordre des Templiers a eu vent des intentions de Malteus, nous sommes partis pour Alcali sur le champ. Mais quand nous sommes arrivés, les enfants étaient déjà morts. Quels enfants? Malteus a convaincu le pape que les enfants chrétiens ne craignaient ni les lames ni les flèches païennes. Aussi, une armée d'enfants a-t-elle été envoyée 3 jours avant que nous n'arrivions pour affronter les morts. C'est le sang de leur massacre qui a ouvert la brèche. Je pense que vous devinez la suite. Nous sommes ici depuis. Je ne suis pas le premier à avoir perdu la raison, ni le dernier. Et où est passé l'évêque? Ah, il est toujours dans la crypte, avec les enfants qu'il a envoyés se faire massacrer. Cet endroit leur appartient maintenant. Si c'est là que sont vos amis, vous feriez mieux de prier pour eux et d'en rester là. Mon cul! Faut y aller. Vous venez avec nous. Avec vous. Même s'il m'y autorisait, où est-ce que j'irais? Il n'y a rien au-delà de ces murs, ni même au-delà des murs sans nombre qui les entourent. Si vous arrivez à trouver la prochaine brèche, saluez le centurion pour moi. Je suis sûr qu'il doit être encore quelque part là-bas. Vous entendez? Des bruits de pas. Non, c'est pire que ça, c'est toute une armée. Je crois qu'on va avoir de la compagnie. Tout le monde, à couvert. À couvert? On est complètement exposés ici. Je veux pas finir comme les autres Jericho, Ross. Ça n'arrivera pas. Et c'est le mort qui le dit. Je vous ai manqué?
les cercueils, ils sont... tout petits. Ouais, mais est-ce qu'il y a quelqu'un dedans? C'est plutôt ça qui m'intéresse. T'as qu'à vérifier. T'as fumé ou quoi, sorcière? Chut. Allez, on y va. Vous voyez tous la même chose que moi? La section Oméga est tout près. Bon, alors trouvons-les et sortons de ce putain d'endroit! Sortons de ce putain d'endroit! C'est bon, Cole. C'est fini. Ne me touche pas! Tu es blessé. Laisse-moi t'aider. Je t'ai dit de ne pas te toucher! Reculez! Qu'est-ce qui vous est arrivé? Les enfants, mon Dieu, que de colère et de haine. Ils voulaient que nous souffrions autant qu'ils ont souffert. Ah, j'avais l'impression qu'ils étaient dans ma tête, et qu'ils me découpaient de l'intérieur. Je crois que Cole a eu droit au pire. Elle a des problèmes, vous savez. Elle a peur du noir, peur qu'on la touche, peur des endroits étroits. Laissez-moi lui parler. Ne me touche pas! Du calme, Cole. C'est quoi le nombre que tu aimes tant? Le nombre d'or, c'est comme ça que tu l'appelles, non? C'est faux! Tout est faux ici! C'était quoi ce nombre, Cole? Tu lui donnais un nom... Pi? Fi! Fi! Les proportions divines! Fi, c'est ça. C'est quoi déjà? 1,6. 1,0,3,3,9,8,8. Bien. Maintenant, tu vas baisser ton arme. 7,4,9,8. Bien joué! Comment t'as trouvé ça? C'est l'avantage d'avoir partagé une chambre avec elle. Bon, maintenant, il vaudrait mieux qu'on s'occupe des mioches. Avez-vous contacté les Templiers? Ah oui? Et on a eu droit à une drôle de surprise. Ils croient que Leech et ses guignols sont des anges divins et que nous, on est les méchants. Dommage que j'ai raté ça. On doit trouver la prochaine brèche et sortir d'ici. Avez-vous confessé vos péchés, mes enfants? On allait partir. Comment osez-vous souiller ce lieu saint hérétique? Vos péchés sont grands. Agenouillez-vous devant moi pour que je vous purifie. Qu'est-ce qu'il raconte? Les mêmes conneries que quand on m'a viré du catéchisme. Et il va avoir droit à la même réponse. Thank you.
Ça veut dire qu'on doit y aller. Je crois que nous sommes sous l'égide de Rome. Ça pourrait être pire. Au moins les Romains étaient civilisés. Super civilisés même. Je veux dire, quand on pense aux crucifixions, aux combats de gladiateurs, à l'esclavage... Et n'oublions pas ce malheureux incident avec le Christ. Nous sommes des aumôniers, après tout. C'est toi l'historien, Jones. Que peux-tu nous dire sur cet endroit? Si Cole peut me dire en quelle année nous sommes... En l'an 38 après Jésus-Christ. En 38 après Jésus-Christ? Waouh, t'es sûr? Oui, évidemment, t'es sûr. Alors ça veut dire que c'est le règne de... Voyons voir. Caligula. Oui, comment tu sais ça? On va dire que j'ai deviné. Voyons. C'est le début de la chute de l'Empire. Et nous sommes très au sud pour les Romains. Un no man's land. Si j'étais un centurion romain et qu'on m'envoyait en garnison à Alcali, ce serait comme... Un exil. Alcali est aussi loin de la loi romaine que possible. Avec l'empereur Caligula à la tête de l'Empire, ce n'est pas une mauvaise chose. Il faut qu'on avance. Suivons la route et essayons de trouver Leech et ses hommes. Nous sommes là pour vous aider. Quel est votre nom? Manus suas imponat id lingua ius dicant. Je crois qu'il veut communiquer à travers Jones. Comment savoir s'il est de notre côté? Ouais, c'est clair. Fais pas ça, mec. Ça va aller. Par contre, si vous voyez que ça tourne mal... Je le crame. Que quelqu'un l'aide! Non, attendez! Vous venez pour le premier-né, n'est-ce pas? Oui, mais... Qui êtes-vous? Je suis Terius Longinus. Dernier des sept prétoriens ayant juré de protéger le monde de la colère du premier-né. Êtes-vous en quête du secret du Pixis? En effet. Dites-nous ce que vous savez. Caché parmi les gardes du gouverneur dépravé Vicus Cassius, nous l'observions tandis qu'il transformait Alcali en un festival de décadence et de dépravation.
Le premier-né avait chargé Vicus d'ouvrir la brèche. Et tandis qu'il se repaissait de chair fraîche, mes frères et moi sommes allés dans le Pyxis pour procéder au rite qui fermerait la brèche. Nous voulons la même chose. La brèche a été rouverte. Dites-nous que faire. Réalisez-vous le prix à payer pour être venu ici. Tout à fait. Non ! Mon cul ! Il doit y avoir un autre moyen ! Le cycle va continuer, jusqu'à ce que le premier-né mette la main sur ce que le Créateur a refusé de lui donner. Ce qu'il a donné à l'humanité ! La liberté. La liberté n'est que l'absence de chaîne. Tout comme le mal n'est que l'absence d'amour. Je ne comprends pas. Si ce n'est pas la liberté, que veut le premier-né ? Nous n'avons rien à lui donner. Alors le cycle va continuer ! Jones, sors de là ! Allons-y ! Comment briser le cycle ? Que veut le premier-né ? Mais putain ! Faites quelque chose ! Vicus ! Trouvez Vicus ! Lui seul peut ouvrir la brèche qui mène au cœur du Pyxis ! Jones ! Brise le lien ! Tu dois arrêter ça ! Où ? Où peut-on trouver Vicus ? Il meurt ! Jones, putain ! Arrête ! Trouvez la brèche ! Trouvez les os et vous trouverez la brèche ! Ça suffit maintenant ! Ne recommence jamais ça ! C'était pire que d'avoir Rose dans ma tête. Je ne vois d'eau nulle part par ici. Qu'est-ce qu'il a voulu dire ? Un aqueduc, peut-être ? Ça m'étonnerait. Ici, on ne peut trouver de l'eau qu'en sous-sol, dans un puits ou... Des termes. Ça sent la merde et la mort, ici. Allons-y. You can do it, Delgado. Use your pyromancy to shield you. La main est de retour. Jones, rapproche-moi de lui. Je crois qu'il veut qu'on passe d'un homme à un autre, Jones. C'est parti. C'est ça. Passe au suivant. L'architecture est impressionnante, mais je m'attendais à quelque chose de moins sanglant. I'm getting a lot of hostile energy off this place. It's not happy to see us. Quelque chose approche, chef. Et ça a l'air très en colère. Ton temps, hein?
passer de l'autre côté. Le chemin de gauche me semble bien. Les marques au sol nous indiquent de monter dessus. Reste à savoir si on peut leur faire confiance. Je ne détecte aucun piège ou malédiction, chef. Le mécanisme au sol a l'air sûr. Omega, en position. C'est parti! Intéressant. Je crois que ces dalles au sol actionnent le mécanisme. On y va. Bien reçu! Seigneur, donne-moi du courage et garde-moi de tout ce qui pourrait m'empêcher de te servir. De nouveaux invités, venez-vous participer au festin? Il y en a pour tout le monde. Il est dans ma tête! Venez plus près. Vous savez, mes yeux ne sont plus ce qu'ils étaient. Mon Dieu! Est-ce de la magie que je sens parmi vous? J'espère que ce ne sont pas d'autres étrangers qui viennent gâcher la fête. Oh, j'aime les gens de votre espèce. Le défi est presque aussi satisfaisant. Ce gros porc, il est pour moi. Oh, je te le laisse. Moi, pas question que je m'approche de lui. Et qu'est-ce donc que cela? Vous avez amené des sorcières aussi. Oh, quel honneur. Ça fait longtemps que je n'ai pas compté aux deux sexes. Chef, regardez le sol, comment il est construit. Commençons, voulez-vous? C'est un piège! Something about this stinks. And for once, it's not me. J'ai déjà vu ce film. Non, je ne crois pas. Pas encore. Gouverneur Vicus, nous sommes venus vous libérer de cette prison. Laissez-nous partir pour accomplir notre mission et mettre fin à votre cauchemar. Votre cauchemar à tous. Me libérer de quoi parles-tu? Nous avons fondé l'Elysium, non? Nous avons libre droit de tuer, de baiser et de nous empiffrer sans conséquence ici. Nous ne sommes pas prisonniers. C'est le summum de la liberté. Et vous, mes chers visiteurs, vous allez nous divertir. Les yeux sont ouverts. Bravo! Quel champion! Ces dalles sont comme celles du jardin. Allez les gars, on recommence. This? Why would I want you to do that? We have found the lease here, have we not? Where we can feast and fucking kill. And find no consequence. Super sort. Avançons. C'est parti. J'aurais dû prendre mon appareil photo. We
your thumb begin. Give up, do they? Engage! Man down. Temporal loop engaged. Back in the game! Establishing temporal loop. Grenade out! On ferait mieux d'y aller.
C'est magnifique. Où est le reste de la cité? C'est ça. C'est Alcali comme elle était à l'origine. Au commencement. Alors, ça doit être pour ça qu'on est là. On ne peut pas dire que ça ressemble à la source du mal véritable. Ce n'est pas une source. C'est un cocon. Le mal véritable est à l'intérieur. Si on peut bannir le cocon, on bannira le premier-né. Qu'est-ce qu'on fait? On monte. C'est Lynch, regardez! Merde! Il est arrivé! Vite! Jonesy, ça va? Bonjour, mes chers frères et sœurs. Vous êtes les bienvenus ici. Qui est là? Montrez-vous! Je suis Antadurunu, le fondateur de votre confrérie. J'attends depuis des millénaires d'offrir mon savoir, afin que vous pansiez la blessure et bannissiez cette abomination de notre monde. Vous savez pourquoi nous sommes ici? On nous a envoyés pour fermer la brèche. Oui, tout comme les prêtres de ce temple. La grande prêtresse Eresh Kigal s'est laissée séduire par le premier-né dans ses rêves, et a enseigné les rites de sang qui ont ouvert la brèche. Elle a mené une armée de dizaines de milliers d'hommes à travers le désert de la cité d'Our pour ériger ce temple. Et quand sa construction a été finie, elle les a tous massacrés. Tandis que leur sang coulait sur les marches du temple, la brèche s'est ouverte et le premier-né est réapparu sur la terre. Mais nous sept, nous nous étions infiltrés dans son armée pour la suivre dans le Pyxis. Qu'est-il arrivé aux autres? Ils se sont tous perdus. Furieuse de notre trahison, Eresh Kigal a libéré le pouvoir du premier-né sur nous, et a transformé les autres en démons qui la protègent depuis. Je suis le seul à avoir pu m'échapper pour fermer la brèche et sceller le Pyxis. Je savais que mon sceau ne durerait pas éternellement, aussi avec mes dernières forces ai-je envoyé un message. J'ai ordonné à mes disciples d'établir un ordre sacré pour surveiller la brèche et empêcher ainsi le retour d'Eresh Kigal et du premier-né. Jericho. C'est l'un des noms donnés à notre ordre depuis des millénaires. Mais bien que le nom change, le devoir sacré, votre devoir, reste le même. Vous devez fermer la brèche. Sinon, le premier-né se vengera de l'humanité. Comment faire? Les démons qui gardent le temple ont tous volé une partie de moi. Tuez-les et reconstituez-moi pour que je puisse sceller la brèche et que le monde soit de nouveau en sécurité. Jusqu'à la prochaine fois. Nous suivrons vos ordres. Nous ne pouvons plus reculer. Qu'est-ce qu'on attend, Jericho? Je déteste quand tu fais ça. Can we clear the path, Abby? Abby, can you hear me? Abby, tu m'entends? C'est Jones. Pas de panique, j'ai bientôt fini. T'es avec moi ?
De nous rejoindre. Ce sont des démons de la mort et de la décomposition! Débarrasse-toi des mouches et ils seront inoffensifs! Thank you.
Félicitations, c'est un garçon. Vous avez rempli votre devoir sacré. Votre sacrifice pour l'humanité ne sera jamais oublié. Et que va-t-il se passer ? Je vais me relier à la brèche. Une fois que le passage sera fermé, nous allons dormir jusqu'à ce qu'on nous appelle pour guider encore une fois nos frères et nos sœurs. Est-ce qu'on va rêver ? C'est un sommeil sans rêve. Et en nous rejoignant, vous allez partager le savoir de tous vos prédécesseurs et ne faire qu'un avec eux. Notre paix ne sera brisée que lorsque les hommes mauvais tenteront de trouver le premier-né. Maintenant, je dois y aller, car la brèche s'élargit. Alors, c'est la fin. Ce fut un plaisir de servir à tes côtés, Xavier. Reste avec moi, Frank. Ross, est-ce que tu m'entends ? Je suis là. Que va-t-il t'arriver ? Je sais pas. Mais quoi que ce soit, ça ne pourra pas être pire que ça. Tu as peur ? Et toi ? Non. Cole, est-ce que ça va ? Ça va, chef. Désolé de t'avoir entraîné là-dedans. Tu mérites mieux. Veux-tu prier avec moi ? Je suis athée, chef. C'est non, alors. Il ment. Quoi ? Je dis qu'il ment. Vous y croyez à ces conneries de sommeil sans rêve ? Je suis le seul à avoir écouté ce qu'il a dit ou quoi ? Écoute, je comprends ton appréhension, mais... Et les autres alors ? Les Templiers, le Centurion ? Ils ne rêvent pas. Ils ne font pas qu'un avec le Seigneur. Ils perdent la raison dans un purgatoire. Et c'est exactement là où on va se retrouver quand il aura fermé la brèche. Cet enfoiré nous ment ! Qu'est-ce que tu suggères ? Qu'on se batte. Si je dois mourir ici, je veux que ce soit en essayant de buter ce qui nous attend de l'autre côté ! Je ne peux pas te laisser faire. C'est ce qu'on va voir ! Arrêtez ! Tous les deux ! Ne t'interpose pas, Amélie ! Attendez, réfléchissons une minute, ok ? Il a peut-être raison. Nous devons remplir un devoir sacré ! Devoir sacré ? Mon cul ! On nous a menti, imbécile ! Et je commence à me demander si t'étais pas au courant depuis le début ! Black ! Sécurisez Delgado ! Mais s'il avait raison, il y a quelque chose qui cloche. C'est un ordre. Putain, Paul, pourquoi tu ne m'écoutes pas ? Je suis ton supérieur. Non, c'est faux. Qu'est-ce que tu fais, Ross ? Il va tout détruire. Le monde là-dehors est rempli d'innocents. Ça ne vaut pas le coup de se battre pour ça ? Je suis d'accord avec lui, Paul. Mais vous avez perdu la raison ! La raison est la seule chose que je n'ai pas perdue. Trahissez-moi, et tout ce que vous aimez dans ce monde sera perdu. Tout ce que j'aime est ici. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On le descend. Mais ils disent qu'il est invincible. Regarde bien. Section Jericho, allons-y en avant. C'est à toi de voir, Rolex. Je vais pas t'obliger à me suivre. Mais où est-ce qu'on est, là ? On est tout au fond d'un gouffre énorme. L'analyse spectrale indique la présence d'une immense source d'énergie instable. C'est sympa de vous joindre à nous. Ça n'a jamais été mon fort d'obéir aux ordres. Qu'ils soient divins ou autres. Est-ce que tu pourrais me localiser cette source d'énergie ? Elle bouge vite et fonce droit sur nous. Ça va sortir par ce tunnel, chef ! Les voilà ! Les toutes dernières pièces du puzzle ! Alors... ça fait ça, d'avoir une âme, attirée comme des insectes, vers la lueur de l'énergie, pour finalement ne faire qu'un avec moi. Cole, scanne-le et trouve sa faille. Tous les autres, continuez de lui parler. Bien. Tu vas pas nous trouver aussi facile à vider que Leech. C'est possible, mais quand on veut vraiment quelque chose, on fait tout pour l'avoir.
Et quand j'aurai absorbé votre énergie, j'en aurai enfin assez en moi pour m'échapper de cette prison. Allez, venez à moi! Chef, je pense qu'il va retourner nos énergies contre nous. Mais si on est encore en possession de... Silence! Garce! Cole! Oh merde! Rawlings, feu! Jusqu'à l'eau et nager profond.